Voici l'Île-de-France, ses 12 millions d'habitants et son centre attractif, Paris. Pour beaucoup de franciliens, les journées sont rythmées par trois choses. 1. Le métro et les transports qui vous occupent 1h20 quotidiennement. T'as un incident technique, le trafic est interrompu sur toute la ligne. Et parfois plus. 2. Le boulot et ses semaines de 39,4 heures en moyenne, et souvent plus. 3. Le dodo, qui vous fait rester au lit pendant 8 heures 13 minutes. Et parfois moins. Au milieu de tout ça, les loisirs. Paris est la métropole la plus visitée du monde, avec le plus grand nombre de cinémas, de musées et de salles de spectacle de la planète. Chaque semaine, on y joue plus de 360 spectacles, 220 films de cinéma et plus de 150 expositions sont proposées. C'est finalement beaucoup pour les 3h30 de temps libre que les franciliens s'accordent chaque jour. Certains parisiens sortent beaucoup, d'autres peu. En moyenne, au cours des 12 derniers mois, 56% d'entre eux sont allés au théâtre, 28% au concert et seulement 19% à l'opéra. Le francilien se dit souvent « Ah, j'ai pas le temps !»« Oui, faut que j'y aille, mais... il pleut. Oh, y aura trop de monde !» Avec Culture First, choisissez un pack prêt à sortir, avec une sélection des meilleurs spectacles et expositions. Alors, 1. Choisissez un pack pré-rempli ou faites votre propre sélection. 2. Cliquez. 3. Sortez. Culture First s'occupe du reste. Les meilleures places vous sont réservées. Vous pourrez même changer vos dates ou proposer votre place à un autre abonné en cas d'empêchement. Culture First vous propose une sélection enrichie en permanence. Culture First vous invite aussi à partager vos émotions avec vos amis ou de nouvelles rencontres grâce aux nombreux événements organisés. Visites guidées, ateliers, rencontres avec les artistes. Alors, 1. Les franciliens passeront toujours 1h20 quotidiennement dans le métro. Nous stationnerons quelques instants pour régulation des trafics. Et parfois plus. 2. Les franciliens travailleront toujours 39,4 heures par semaine. Et souvent plus. Mais 3. Après le boulot, place aux sorties culturelles. Culture First a tout planifié pour vous. Enfin, le dodo. Mais pour un peu moins de 8h13. Culture First, le prêt à sortir.